on avait un cerveau pour deux, ouais. Mais qui a le corps, qui a le cerveau. Bah on va prendre mon corps. Corps mettre... on est complémentaires, mais... On a vraiment les mêmes goûts, le même rapport au cinéma, le même désir de cinéma, mais après différent peut-être dans nos comportements. Moi, je sais que j'étais considéré comme le méchant et lui comme le gentil par tout le monde, quoi, aussi par Béa, etc. Mais... Donc du coup, oui, c'est assez complémentaire, du coup. Mais en harmonie, c'est sûr. En harmonie, quoi. En harmonie, ça, c'est vrai. C'était le mauvais flic et le gentil flic. Et ici, les coups de poing dans la gueule. Ouais. Bah ça, c'est aucun problème. Oh, putain, j'ai vu le délai. C'est plus facile pour supporter la pression d'un film aussi, d'être à deux, parce que c'est quand même... c'est... grosse charge de travail, donc surtout pour un premier film. Ouais. Bah c'est ça, quoi. C'est pour un premier film, mais là on se rend compte que même pour la suite, quoi. C'est-à-dire que on divise tout en deux et également le stress, quoi. Et là, voilà, c'est vachement bien de pouvoir discuter, de pouvoir peser le pour le contre avec quelqu'un en qui t'as vraiment confiance et tu sais que son jugement correspond à l'idée du film qu'on a, quoi. Il fallait qu'on soit juste crédible pour que le personnage, les gens puissent s'identifier au personnage. Et après, c'est voilà, donc c'est un film d'horreur, donc forcément, les gerbes de sang sont exagérées. Puis nous, on adore ça, donc ça nous est aussi, c'était aussi un plaisir coupable, quoi. Généralement, les films d'horreur à Cannes, c'est relégué au marché du film. C'est rarement en compétition ou dans les sous-catégories comme la quinzaine et tout. Donc nous, on était vraiment contents avec notre petit choker ultra gore de se retrouver au milieu de toute la folie de Cannes. C'est-à-dire que tout est allé tellement vite, le film est, toutes les étapes se sont succédées vraiment sans temps mort. Et vraiment, je crois que quand on était en haut du tapis rouge et on démarre, j'avais dit, mais qu'est-ce qu'on fait là, quoi? Qu'est-ce qui se passe, quoi? C'était vraiment c'était assez incroyable, quoi. Notre erreur, c'était de croire que voir une femme enceinte se faire éventrer, elle intéressait beaucoup de monde, mais en fait, non. Quelle drôle d'idée. Il y a que nous, quoi. Ouais.